Pendant des années, j'ai filmé la guerre au Congo. Je suivais les militaires congolais, souvent en déroute et affamés. Les rebelles rwandais, très disciplinés. Et entre les deux, la population prise au piège. Il y avait aussi ses enfants, la nouvelle génération qui grandissait dans la guerre. Ils prenaient les armes pour défendre leur village en croyant en leur bonne étoile. Et enfin, le jeune président Joseph Kabila, élu en 2006, faisait de rares apparitions. On comptait 6 millions de morts causés par la guerre et les conditions de vie misérables dans les zones de conflit. La guerre était interminable. J'ai perdu espoir d'en voir la fin et je suis partie. Septembre 2016. Je suis de retour à Goma, dans l'est du Congo, où pointe un nouvel espoir. Des jeunes sans armes ont décidé de se lever contre leur président qui s'éternise au pouvoir depuis 15 ans. Ils ont créé un mouvement non violent, la Lucha, qui veut dire lutte pour le changement. Le tournage est discret et deviendra de plus en plus clandestin. Ce jour-là, la Lucha demande au casque bleu des Nations Unies de protéger les manifestants qui s'opposent à Kabila. Des dizaines de morts, des centaines de blessés et d'arrestations, d'importants dégâts matériels sont à déplorer en seulement 2 jours de manifestation. Il est urgent d'agir pour arrêter ce cynisme politique qui est à la base de ce genre d'événement. 48 morts. C'est le bilan de 2 jours de manifestation contre le président Kabila, qui doit partir dans 3 mois, mais retarde l'organisation des élections. Luc est l'un des fondateurs de la Lucha. Ce mouvement ne cherche pas à prendre le pouvoir, mais il s'impose dans le débat politique. Soutenir une position et tout ça va beaucoup pas ma élection dans les délais constitutionnels. Naturellement, qu'il y a pour partir à Kazo pour Monisco, ici, puis même pour soutenir un glissement quelconque. Ça veut dire à tout peine du moutou moyen à ta violée constitution et tu à Congo. Ces jeunes ont sous leurs pieds les plus grandes réserves de minerais au monde. Ils ont l'un des plus grands fleuves, des terres fertiles et des pâturages. Dis l'indépendance vient de moi! Dis, je suis décidé à amener le changement. Peu importe. Mais depuis 20 ans, ces richesses ne leur amènent que la guerre et la précarité. On nous emprisonne. On nous maltraite. Le changement viendra par moi. Le changement viendra par moi. Mon cher, à la prochaine. Mon cher. Je vais entrer. Courage, courage, courage. Ton âne. Félicitations. Merci vraiment. Vraiment à la prochaine. Merci. Nous allons prier pour vous. Merci, mon cher. Parce que c'est pas facile à voir les guerres comme je ça. Je sais. Merci. Merci. À la Lucha, Luc se fait appeler H2O, car l'eau peut se répandre partout. Son rêve est de faire de tous les Congolais des Luchéens, des gens conscients de leurs droits et prêts à les défendre. Donnez-nous des bons dirigeants, Seigneur. Donnez-nous des élections cette année. Donnez-nous l'alternance politique cette année, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, à répondre au rendez-vous de l'histoire qui nous appelle cette année à sauver la nation.
restaure le pouvoir de ton peuple dans ce pays. Dans quelques semaines, le mandat du président arrivera à son terme, mais le régime freine l'organisation des élections. La Lucha appelle les Congolais à dire bye-bye à Kabila. Dans la rue, la population est traumatisée, paralysée par toutes ces années de guerre. C'est la peur qui règne. Pour les militants de la Lucha, le temps presse et ils le clament haut et fort devant le siège de la commission chargée d'organiser les élections. Les autorités commencent à craindre ce mouvement indépendant et incorruptible qui ne cherche pas à prendre le pouvoir, mais à le surveiller. À quelques semaines de la fin du mandat de Kabila, les arrestations s'intensifient. Les militants s'accrochent à la Constitution qui les autorise à manifester. Tu es membre de la lutte? Oui, c'est vous. Qu'est-ce qui prouve que tu es membre de la lutte? C'est un mouvement des citoyens. Pour être dans un mouvement des citoyens, je ne pense pas que je peux avoir une carte parce que dans ces mouvements-là, on ne travaille pas en politique, mais nous travaillons en politique. Et ceux qui travaillent en politique, nous travaillons pour le bien-être des Congolais. Nous travaillons. Oui, nous travaillons pour le bien-être des Congolais. Et dire au chef de l'État que le chef de l'État part en paix, c'est un message politique ou apolitique? Moi, je savais que c'est apolitique. Il y a déjà eu à lire au moins quelques articles de la Constitution. Okay. Par exemple, quel article? Même si tu ne donnes pas les numéros de l'article, mais les fonds peut-être. Un article que tu as lu par hasard. Bon, j'ai fait lire pour l'article 64, alinéa 2. Tout Congolais a le droit de faire échec à un groupe d'individus ou quelqu'un qui veut prendre les pouvoirs ou veut l'exercer à la cour de la Constitution. Les juges peinent à retenir des charges contre les militants de la Lucha, qui passent souvent de longs mois en détention avant d'être relâchés. Rebecca, elle, a été condamnée à 6 mois de prison pour avoir organisé une manifestation contre Kabila. À 22 ans, elle fut la plus jeune prisonnière politique au monde. Lorsque je la rencontre pour la première fois, elle vient d'être libérée et reprend la lutte. Ça arrive dans la lutte, qu'on vous arrête, qu'on vous relâche, qu'on vous condamne même. Et la mort arrive parfois. Ça peut arriver quand on tire sur nous. Est-ce qu'on doit laisser la lutte? Non. Et on doit lutter pour ça. Pour ne pas avoir des condamnations gratuites comme ça. Mais comment faire pour éviter les condamnations? Tu peux pas. On doit changer le régime. Oui. On doit changer le régime. Parce que tous ceux qui sont là, les magistrats, tout le travail pour Kabila, on doit changer tout. C'est le dernier jour du mandat de Kabila. Le soulèvement populaire espéré par la Lucha n'est pas au rendez-vous. L'armée et la police quadrillent le pays et empêchent tout rassemblement. Le message est clair, Kabila restera au pouvoir.
Des centaines de personnes sont arrêtées et une cinquantaine sont tuées par les forces de l'ordre. Surveillés de près par les autorités, les militants de la Lucha n'ont pas réussi à descendre dans la rue. Luc parvient cependant à rejoindre une station de radio. Les élections devaient être organisées depuis très bien avant. Ils les ont tirées à longueur jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, c'est le jour de la répression. Ça m'étonne. Ils devraient laisser la population s'exprimer, exprimer leur mécontentement du fait que les élections n'ont pas été organisées et du fait que c'est la fin de la légitimité de nos autorités. Donc, ils devraient nous laisser nous exprimer et après, on peut trouver un terrain d'attente. Luc vit avec sa sœur, Amen, dans la maison qu'ils ont héritée de leur mère. C'est devenu le quartier général de la Lucha. Non, non, on était prêts. Mais les ménères sont où? La peur des militaires, tout le reste. Il y avait un dispositif très important. C'est un échec. Total, vraiment. Encore total. Total encore. Le Kabila est en train de gagner. On peut tristement l'avouer ainsi. Il est en train de gagner, le président Kabila. Tu y as cru vraiment à un moment donné? Moi? Tu as toujours un peu douté, mais tu l'as fait quand même. Non, je l'ai cru. Hein. Je peux même pas douter un seul instant. J'ai cru. J'étais sûr que ça allait marcher. Au moins pour Goma, j'étais sûr que ça allait marcher. Après, il faut l'avouer, la force a été bien plus supérieure. Ça n'a pas marché parce qu'ils n'étaient pas seuls. Ils étaient avec les militaires, les FARDC. Donc c'était pratiquement pas possible d'envisager quelque chose. Les militaires ne badinent pas ici au Congo. Ils tirent. On joue avec la police parce que c'est des voisins. On joue avec eux parce qu'ils sont mal nourris, mal payés. Et les militaires, ça tire. Mais j'ai encore plein d'espoir pour ce Congo. Waouh, la lutte, il y a une mobilisation forte. C'est ça? Wow. Il y a des gens qui me taquinent. Qui disent quoi? Ils ont dit un truc du genre si tu cherches l'échec, viens en RD Congo. Si tu as besoin de jeunes lâches, incapables, viens en RD Congo. Où sont les gens de la Lucha, le Congolais du diaspora, toutes ces personnes qui apparaissent?
et qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, qui espèrent libérer un pays à travers l'Internet. Où sont les soi-disant opposants? Où sont les données d'une promesse au peuple? À cause de vous, l'ère de Congo vient d'être sujet de tous les médias internationaux. Le peuple congolais devient sujet de moquerie à cause de vous. Le pouvoir actuel devient éternel. D'accord, ça va. Laisse-moi travailler. Qu'est-ce que tu ressens? La colère. J'aime pas une personne qui se permet de dire des choses et voir que l'échec des autres. Pourtant, il n'a rien fait. Il est resté sous son lit, d'ailleurs, pas même sur les lits. Et il s'est permis de critiquer ce que les autres ont pu faire comme effort. Petit, nous voilà qui tourne encore en communication. Oui, Franck, bonsoir. Voilà, les grands rendez-vous que tu attendais, il est là, non? Ok, Franck, voilà. Les deals, il est comme ceci. Nous sommes subdivisés en équipe. Et toi, tu fais partie de l'équipe avec laquelle je vais être. Je t'attends demain à 8h. Donc, ne rate pas le rendez-vous et ne pense pas que y a quelqu'un d'autre qui va t'appeler ou t'envoyer un message à part moi. Tu fais partie de mon équipe. La Lucha décide de passer à l'action le lendemain. Kabila n'est plus légitime. Pour la Lucha, toutes les autorités doivent quitter le pouvoir. Luc, Rebecca et leurs camarades ont décidé de se rendre chez le gouverneur de Goma, la plus haute autorité de la ville, afin d'exiger qu'il remette les clés de son bureau. Stop, stop, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, là-bas. Les responsables, c'est qui? Les responsables, c'est qui? Hein? Les responsables, c'est qui? Mon équipe est bien. Je vous demande de rentrer. Lucha n'est pas un mouvement reconnu. Nous avons l'arrêté du ministre qui interdit Lucha, qui interdit aussi Firimbi. Je ne veux pas que je fasse par force. En tout cas, je vous demande de rentrer un à un. Si vous refusez, je vais demander qu'on vous chasse. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Je vous dis que votre mouvement n'est pas reconnu. Ça, je vous dis. Est-ce que vous m'attendez bien? Nous pouvons vous parler, votre mouvement n'est pas... Je vais parler avec un mouvement qui n'est pas reconnu. Moi, est-ce que nous pouvons... Est-ce que je vais parler avec un mouvement qui n'est pas reconnu? Est-ce que nous pouvons... J'ai dit parler, s'il vous plaît. Donne. Est-ce que nous pouvons... Allez, écoutez, rentre. Est-ce que nous pouvons... Rentrez! Est-ce que nous pouvons vous parler? Allez. Bouclez la main. Les journalistes, laissez-nous. Entrez ces gens. Entourez-les. Vous récupérez un à un, vous mettez sur ma chip. Un à un, vous mettez sur ma chip. Lentement. Les militants seront rapidement libérés. Leur arrestation aura un retentissement énorme sur les réseaux sociaux et leur courage donnera un nouvel élan à la jeunesse de Goma. Problema ulikuwa nini? Problema ni abo, problema ni inchi, problema ni mutu, problema ni batu awae. Au ni batu bana mama anasema mbwa kusenjwa yake ya mwisho yenyewe anasema kukubili kama nyuma mapodio mkanjo vitu gani na hiki sinjwa yake ya mwisho maifare tu kupika tu boro tu ndio utaje tu watu msuspense juka ba kukumbuke tena kuita tena kwingine siku yenyewe inakuwa na kama problema ni mtu maki fu mtu tu aende na sasa naenda solution inapatikana. Na kama solution ipatikane pale ndio sasa danger. Bitu calendrier électoral itakuwa tu hapa sasa hivi. Eh sawa? Wewe kwambia mu quelques mois. Eh sawa? Wewe kwambia mu quelques temps, make muta record, ndio mtapata calendrier électoral. Sasa pale sasa ndio ta record, ndio ta gani sasa? Wako ana evaluer ku échelle gani? Ya bien na kwa kusema siku fulani, date fulani, saa fulani mtapata ile bore. Eh pale ni sawa? Mitaki bila biasemeo. Pale ni nini? Poa. D'aller bon.
Espoir est un chroniqueur très suivi à Goma. Alors que le Congo s'enfonce dans la crise politique, il décide de lutter sur le terrain et rejoint les rangs de la Lucha. Il va être rapidement arrêté et sera relâché quelques jours plus tard en piteux état. Je te soigne, mon fils. Vas-y. Que vous promet le Tcha? Est-ce que c'est vous qui va transformer le pays? Les Zaïre étaient libérés par des petits-enfants. L'Ouganda, par des petits-enfants. Rwanda, par des petits-enfants qu'on appelait Kadogo. Mais vous n'êtes plus des Kadogo, vous êtes un peu intellectuel. C'est ce qui avait libéré l'Ouganda, les Rwandais, les Congolais. C'était des analphabètes. Maintenant, vous êtes des intellectuels. Et maintenant, vous n'êtes pas aimé. Nous n'avons pas un pays dans lequel on peut revendiquer un droit. Pas la démocratie, pas la liberté, pas les droits, pas la justice ici chez nous. Ce que je vous demanderai, mon enfant, de prendre une mesure de savoir comment marcher. C'est vrai, je ne peux pas prendre une arme pour tuer. Je ne peux pas prendre de l'argent d'autrui pour essayer d'échanger. Je ne suis pas égoïste, plutôt je veux apporter quelque chose tant soit peu pour le changement de mon pays. Un changement qui commence d'abord par moi et puis par une autre personne. Nous sommes un mouvement apolitique, nous ne sommes pas politiques. Nous sommes un mouvement citoyen. Et dans la lutte, il y a toujours quelques blessures. La plus grande crainte, c'est la mort. On ne va pas mourir. Est-ce que vous ne craignez pas que vous serez surpris par un service de sécurité? Parce que ce qui a fait ce que le Congo ne puisse pas changer, c'est la peur. Tout le monde a peur. On ne peut pas avoir peur quand on se reproche de rien. Un jour, vous attrape, quand vous serez attrapé en train de faire des réunions clandestines et anonymes. Il n'y a pas de réunions clandestines. Même la constitution de notre pays est claire, la liberté des réunions est garantie. On doit se réunir partout, à chaque fois quand l'on veut et avec des personnes que l'on veut. Nos réunions ne sont pas secrètes. Nous réunissons cette sécurité interdisent de plus de 4-5 personnes qui se réunissent ensemble pour... Non, la constitution est claire. Notre réunions, sécurité ici. La liberté des réunions qui sont apolitiques, et qui, de la liberté des réunions sans armes, des réunions pacifiques, est garantie par la constitution. Et toutes nos réunions sont pacifiques. Nos réunions ne portent pas atteinte à la sécurité ou à la sûreté du pays. Non. Amène la main gauche. Comme ça. Et puis, ici, ce sont les forces, ici. Les faiblesses, c'est ici. Et maintenant, vos forces entrent dans mes faiblesses. Et mes forces entrent dans vos faiblesses. Et puis, on fait ça. Et là, on est tous forts. Ici, on ne peut pas nous séparer. On ne peut pas nous séparer. Tandis que si nous étions chacun avec ses forces, ici, se cache avec ses forces, on peut nous séparer facilement. Ouais. Hata na wakosefu wa pesa walifikwa na wapafaranga.
Le père d'espoir est pasteur. Il a demandé à son fils de venir rassurer sa congrégation qui avait appris la mauvaise nouvelle. Encore une occasion pour Espoir de prêcher la lutte. Amen. Alléluia, merci. La police a couru avec un camarade, avec un tiers mugai, na benzé tout na ouva. Bah non, la balcon va déjà mugai. Bah déjà ni lundi, tout qui est na coupé de, coupé à la police. Bon, bah quand tu tortures, bah quand tu piques ma fille, bon, nini. Quand on a c'est une lutte de quoi six personnes. Tout qui est na coupé parqué. Donc, il faut parquer 3 jours. Il faut libérer les batailles. Il faut faire les batailles. Heureusement, il y a des coups. S'il s'agit de la lutte continue partout. Il y a des coups. Il faut continuer à mener la lutte. Merci. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu ameeleza yote. Na mimi nashukuru Mungu kuona alifunguliwa. Maombi yenu ilifanya kazi. Tuna bazala, lakini Mungu ndio mchungaji. Basi, tulijua kama anakuwa mwalile juzi. Lakini tunashukuru. Amen. Amen. Dans un pays où les autorités n'assurent aucun service public, les infrastructures sont en déliquescence totale. Les militants de la Lucha luttent contre cet abandon, et quand un quartier est sinistré, ils viennent au secours de la population. Ils réparent des routes, nettoient les caniveaux, balayent les rues. Une façon de montrer l'exemple et de se faire connaître auprès de la population. Les gros cailles, oh, oh, le gros cailles. Tutapata uchaguzi mudeleko tisione na tutapata vangozi wenye tunapenda. Aleluya! Aleluya!
Oui, c'est la lucha. C'est ouais. La star de la lucha. À la lucha. Elle veut le changement. Elle veut le changement, Rebecca. Elle veut beaucoup de choses. Ah. Il y a les policiers. Rebecca, tu jettes. Tu jettes. À la suite de sa condamnation à 6 mois de prison, Rebecca a désormais un casier judiciaire. Elle ne peut plus poursuivre ses études. Néanmoins, elle retourne à la faculté de psychologie pour tenter sa chance. Bonjour. C'est ce que je le disais. Elle a grossi, vous voyez. En prison. Dieu aidant, vraiment. Dieu aime ses enfants. Je veux aussi encore étudier d'autres cours, les cours que j'ai étudiés. Oui, on recommence. C'est comme ça, ma sœur. On va commencer. Basse, c'est la vie, c'est la lutte. Mais quand même, tu as fait l'expérience de la vie, non? Ah, c'est... Ma sœur, l'expérience de la vie. Oui. On pensait que la vie, c'est toujours des roses. Non. Il y a des épis, de vrai. Oui, c'est ça. Mais c'est le prix de la lutte. Je suis consciente de ce que j'ai fait. Et tu as grossi, non? Oui, j'ai grossi et j'ai changé même les teintes. Tu vois? Tu étais à l'intérieur de la maison. C'est normal. Tu sais, ce qui me soutient, c'est quand quelqu'un me dit on est ensemble. Si quelqu'un ne me rejette pas, il y a d'autres qui me rejettent, mais il y a d'autres qui m'encouragent. Courage avec la lutte. Merci beaucoup. Là, je sais que j'ai quelqu'un qui est avec moi, qui me soutient. Donc, je refais. Je peux passer à la maison. Je vois quelqu'un. Tu peux passer. Merci. Attention, il y a des roches. Attention là. Il ne faut pas vous cogner sur les roches. Si vous glissez, vous allez glisser comme Kabila. Pourtant, on ne va pas permettre à Kabila de glisser. Non, si vous voulez glisser, vous pouvez glisser. Mais votre glissement... On va aller, Rodrigue. Attention, jusque là, on y va. Rodrigue, ça va être glissé. Tu vois, il y a mouche. Cela fait un an que je suis la Lucha. Leur succès ne vient pas. Ils font face à un président qui reste au pouvoir, toujours invisible et muet sur ses intentions. Messieurs les présidents, il est temps de s'en aller. Messieurs les présidents, il est temps de s'en aller. S'il nous entend appauvri. Les militants de la Lucha se retrouvent pour évaluer la situation, resserrer les rangs et imaginer de nouveaux moyens d'action. Nos parents n'ont pas l'idée, et dans la plupart des cas, ils ne nous disent pas clairement qu'ils nous soutiennent, n'est-ce pas? Ils nous soutiennent d'une manière, mais ils ne peuvent pas vous dire clairement, mon fils, qui est-ce qui a déjà discuté avec son père, et son père vient lui dire, mon fils, vous savez,
il y a une date que je considère comme étant fatidique. Est-ce que vous ne pouvez pas organiser une action à telle date? Oui, c'est mon père qui dit. Bon, vous, vous avez déjà sensibilisé. Vous pouvez rester là. Je dis oui. Donc vous, vous pouvez rester. Laissez ces gens-là à la population que vous avez déjà sensibilisé. Et elle peut aller déjà. Qui a fait ton boulot? Oui, donc dit, non, mais vous, non, 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 ne soyez pas là-bas. Je crois qu'on était avec John. Il y a aussi quelqu'un qui m'avait dit, bon, c'est vrai, vous avez le courage de faire des actions. Mais chacun sert ses pays à sa manière. Moi, par exemple, moi, j'ai pris pour vous. Il y a la plus grande base, c'est les nombres de ceux qui sont convaincus. Et pour avoir ces nombres, c'est quand on sera en pleine action. On ne peut pas vouloir avoir un grand nombre de ceux qui nous soutiennent par la prière, un petit nombre de ceux qui sont sur le terrain. Si on peut faire l'inverse, ça peut arranger. Ouais. Nous sommes libres. On est libres de faire tout ce que nous voulons. La lucha en est une preuve. On est libre de critiquer Kabila en cours de route, de chanter en toute liberté qu'il quitte le pouvoir alors que c'est des mots tabous qui ne se dit pas à n'importe quelle scène. Mais on le dit en toute liberté. On est libre de décider que va devenir le Congo demain. Mais nous avons peur de prendre cette responsabilité parce que la liberté en soi, c'est une grande responsabilité. Et que la question de se poser chacun d'entre nous, ce n'est pas qu'on est libre ou non, mais la question, est-ce que nous sommes prêts à prendre cette responsabilité? John Nicole. John arrive. Vous complétez vite et puis on va passer au rituel. Ça va maintenant. La lucha continue de s'agrandir. Elle compte à présent 1500 adhérents. Ensemble, ils espèrent changer les choses dans ce pays de plus de 80 millions d'habitants. En faisant signer un acte d'engagement aux nouveaux adhérents, le mouvement scelle une alliance entre ses membres. Un rite d'initiation permet à chacun d'intégrer officiellement la famille lucha. Si les papiers, tu les mets comme un coup, ce que tu veux pour ton pays, ainsi de suite. Ça va. Tout fait tes chivotes, lecture. Animé par mon grand amour de ma patrie, la République démocratique du Congo, mon refus de la résignation et du fatalisme face aux maux qui ruinent mon pays, et ma ferme volonté de participer en tant que citoyen à la sauvegarde de son unité, de sa paix, de sa démocratie, ainsi qu'à la défense de la justice, de la liberté et de la dignité pour son peuple, j'ai décidé librement, en âme et conscience, d'adhérer sans réserve à la philosophie, aux idées, aux valeurs, aux principes, aux méthodes et aux actions du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha. Je confesse que la Lucha est un mouvement citoyen non partisan et non violent des jeunes Congolais de tout âge, race, sexe, origine, condition, conviction et appartenance. Toujours agir selon les règles et les méthodes de la non-violence universellement reconnues. Ceci implique de ne jamais faire recours à la violence pour exprimer mon opinion, protester ou revendiquer un droit. Ne jamais répondre à la violence par la violence, d'où qu'elle vienne. Toujours me conformer aux principes, valeurs, codes et décisions de la lucha. La lucha! La lucha! La lucha! La lucha! La lucha a réussi à s'étendre dans ce Congo immense et à influencer d'autres mouvements citoyens qui partagent les mêmes valeurs. Luc et Espoir sont invités à rencontrer ses autres camarades lors d'une réunion clandestine. L'invitation a été lancée par le docteur Mukwege, qui a soigné des milliers de femmes victimes de violences sexuelles.
l'éminent chirurgien s'est vu attribuer le prix Nobel de la paix en 2018. Cible de plusieurs tentatives d'assassinat, il vit cloîtré dans son hôpital sous la protection permanente des Nations Unies. Je ne vais pas vous cacher, à n'importe quel moment, on peut venir nous ramasser ici et donc on peut se retrouver à un endroit triste. Mais vous acceptez quand même de prendre ces risques. Pourquoi vous prenez ces risques? Quelle est votre vision? Quels sont les objectifs que vous avez par rapport à ça? Je m'appelle Fura Maroi Judith, militante de la Lucha. Ma motivation, personnellement, c'est le fruit d'une indignation, de l'injustice sociale. Et quand j'ai vu la Lucha, je m'appelle, c'était à l'époque quand la jeune demoiselle, la brave Rebecca, était en prison, je le voyais sur Facebook. Je me disais, elle semblait plus jeune que moi, j'étais intéressée à faire comme elle. Et quand je suis venue à la Lucha, comme l'a dit Croco, j'ai retrouvé mon identité. J'ai eu comme l'impression que exactement c'est tout ce qui me manquait. Et c'est comme ça que je commençais. Le nom, c'est Espoir. Espoir Ngaloukié. Les amis appellent Luc H2O, mais moi, on m'appelle Champion. Parmi les points forts que nous avons, c'est que nous sommes des bons parleurs. Nous tous, nous parlons très bien. Nous tous, nous réfléchissons très bien. Et nous tous, nous sommes jeunes. Et qui dit jeune, dit la force. Qui dit la force, dit l'atteinte des objectifs. J'ai appris à tout donner. Pour mon avenir, je donne tout. Je ne reste avec rien pour le présent. Donc, j'offre tout pour que mon avenir soit meilleur. Et ça, c'est un grand atout. La crainte, j'ai une véritable crainte que je n'aime pas partager avec beaucoup de gens. J'ai peur de venir avant mon époque. J'ai peur d'être incompris. Je voudrais bien qu'on réussisse. Mais seul, c'est difficile, mais ensemble, nous pouvons prouver au monde que nous ne sommes pas venus avant notre époque et que c'est le moment que le changement devrait se faire vivre. Même vous ici, ceux qui sont convaincus, je suis sûr qu'on vous a déjà tendu l'argent, on vous a déjà proposé l'argent. C'est là où j'ai dit, il faut savoir dire non. Puisque vous avez votre conviction, et cette conviction-là ne s'achète pas. Son prix, ce n'est pas l'argent. La corruption va avec l'argent. Et je pense que la tendance, lorsqu'on n'arrive pas à vous corrompre, on vous met en prison. Lorsqu'on ne peut pas vous mettre en prison, on vous oblige de partir en exil. Ou alors, on vous tue. Et c'est toujours assassiné par des personnes non autrement identifiées. Voilà, c'est une méthode. Mais vous devez être des leaders. Vous devez montrer que vous êtes capable de tenir. Même si on vous dit c'est la mort, vous dites j'y crois. Et je sais que c'est ça la vérité. Je me tiens à la vérité. Et vous n'allez pas me perturber, puisque ce que je dis, c'est la vérité. Au réseau confortable, on a envie de tomber malade. Les militants repartent dans l'ambulance du docteur Mukwege. C'est le seul véhicule à pouvoir traverser ce quartier où chaque nuit, des gens sont agressés, parfois même tués.
Désormais, les membres de la Lucha et des autres mouvements citoyens font partie d'une plateforme d'action commune. Ils iront manifester dans tout le pays pour exiger le départ de Kabila et l'organisation des élections. Chez Rebecca, comme dans tous les foyers, c'est l'incertitude. Seuls les militants semblent croire encore au grand soir. Sois prudente, souvent c'est la phrase qu'on me dit souvent. Quand je parle dans les actions. Sois prudente, on ne peut pas faire la lutte étant morte. Il faut que tu fais attention, que tu reviennes en vie. Le pays où nous restons, ce n'est pas ce pays. Pas de justice. Ouais. Que faire alors? Faut prier. Faut prier. Prier. T'en as marre de crier? Moi? Ouais. Prier? Qu'est-ce que ça change? Non, non, non. Je dois lutter. Si les parents prient, vous pouvez prier, vous. Je ne refuse pas. Et moi, je fais la liste. Ok, les amis, tu es le one, tu es le one. Foibe. Il te n'y a qu'au palais, tu n'as rien, soyons forts. Quand tu vois Rebecca à tes côtés, sache que tu n'es pas seul. Soyons forts. Elle est forte, hein? Ça ne va pas dire fort. Soyons forts. Nous sommes dans les hommes, c'est vrai. Kabila s'accroche au pouvoir, mais le travail de mobilisation commence à payer. À Goma, comme dans toutes les grandes villes, des centaines de jeunes répondent à l'appel des mouvements citoyens. La Lucha est en première ligne. Enfin, qui est en train de prendre conscience. Et on devrait laisser cette vague continuer. Kabila n'a pas le droit de prendre en otage. Il est illégitime. Il doit quitter le pouvoir. Le début de la fin avait commencé depuis 2016. Depuis décembre 2016. Donc, pour le moment, nous sommes en train d'exiger notre droit. Le respect des principes. Kabila doit dégager. Les musiciens... Yeah.
qui a échappé aux arrestations. Il a réussi à entrer dans le cachot où sont détenus ses camarades. Tu es en détention? Oui, je suis en détention. Tu es dans une cellule? Oui, je suis en détention. Je suis fier d'être détenu pour une cause. La cause, c'est d'avoir aimé mon pays, d'avoir répondu à mon devoir citoyen. C'est tout ce que tu as fait? Oui, c'est tout ce que j'ai fait. Tu as juste aimé ton pays et on te met en prison. Voilà, mais je suis fier parce que ceux qui m'ont mis en prison, ils sont du mauvais côté de l'histoire. L'espoir est relâché quelques jours plus tard. Les arrestations répétées des membres de la Lucha ont fini par attirer l'attention des diplomates étrangers. Bonjour. Rebecca a rendez-vous avec une délégation américaine. I wanted to ask Rebecca why, what inspired her to join. I want to hear from each of you, but particularly. Je suis née dans les cartouches, je peux le dire comme ça. Imagine vraiment quelqu'un qui est concis dans les cartouches. Il grandit dans les cartouches. Et maintenant, il est dans les cartouches. Est-ce que je vais léguer un pays comme ça à mes enfants? Je ne pense pas, moi. On croyait que c'est le bon moment qu'en 2016, il y aura l'alternance. On nous a fait rêver ça, moi. Je comptais m'enrôler et avoir voté. Je voulais voter aussi en 2016, pour peut-être pour la première fois. Je voulais voter aussi, mais ça a passé sur mes doigts. Well, thank you for your time. Be safe. Merci, c'était un plaisir. Merci, moi aussi. Merci beaucoup. Merci. All right. Cette rencontre sera la première d'une longue série. Pendant des mois, Luc, Rebecca et leurs camarades vont être invités à sillonner les capitales occidentales pour faire entendre la voix de la Lucha. Ces dernières années, dans d'autres pays africains, des dictateurs ont dû quitter le pouvoir sous la pression de mouvements populaires. Les diplomates reconnaissent dans la Lucha cette même jeunesse qui va peut-être réussir à changer le cours des choses dans son pays. C'est d'encourager la population à être exigeante. Parce que si la population est exigeante, nous aurons des autorités, pas imposteurs, mais redevables et excellentes. Ils ne vont pas commencer à s'improviser au pouvoir, mais ils y seront que s'ils ont des propositions à donner, des propositions pour l'amélioration des conditions de vie de la population. L'idée, c'était de pouvoir mobiliser plus de jeunes, parce qu'imaginez-vous que la RDC est composée de 75% d'une population jeune. Et on s'est dit, nous avons l'avantage du nombre. Nous avons de l'énergie. Ça veut dire, nous pouvons nous mobiliser pour pouvoir voter utile. Avec Kabila, tant qu'il est au pouvoir, je vous rassure qu'il n'y aura pas d'élection en RDC. Nous avons besoin de la démocratie, nous avons besoin de l'alternance, nous avons besoin de la passation du pouvoir qui est civilisé aussi en RDC. J'invite activement l'Union européenne à prendre des sanctions ciblées contre des personnalités congolaises qui sont directement impliquées dans les
dans la répression actuelle ou dans le blocage du processus électoral. Bon courage, bonne continuation. Merci beaucoup. La proposition de la Lucha de sanctionner les autorités congolaises est entendue. Les États-Unis et l'Europe décident de geler les avoirs et d'interdire de visa les membres de l'entourage immédiat du président Kabila. Ils sont accusés d'être responsables de la répression et de faire obstruction au processus électoral. Ces sanctions sont une grande victoire pour la Lucha. D'accord. Mais cette victoire va placer ses militants dans le collimateur du pouvoir. Ouais, ouais. Comment ? Bien, honorable. Hey, tu es encore à la maison ? Non, je ne suis pas à la maison. Je suis en ville au boulot. Ah, ok. Oui. Alors, qui tu as quoi, t'as quoi dire, hein? Oui, honorable. Hein? Il faut en quoi très prudent. Oui. La prudence est à Kwanza. Tu vois les appels qui nous ont oui. Il faut tout effacer. Oui. Ciao, ça. On efface. Oui. Luc n'est pas impressionné par les menaces. Il choisit de les ignorer et de poursuivre la lutte. C'est ma chambre. Elle est désordonnée comme la chambre de tous les garçons qui se respectent. Je prends toujours le bon soin de laisser mes pièces d'identité à la maison. Là, j'ai laissé un peu d'argent ici pour m'assurer que mes arrières sont couverts au cas où je suis arrêté. Ou, au fait, je suis condamné pour quelques mois et tout ça. Je sais qu'au moins pour les deux ou trois premiers mois, mes responsabilités seront assurées par quelque part. Donc, c'est pour qui cet argent ? C'est pour ma petite sœur, au cas où je ne reviens pas. Il y a eu le son d'une explosion. La maison de Luc a pris feu. Il n'a pas réussi à sortir de sa chambre. Il a fait passer à sa sœur, à travers les barreaux de sa fenêtre, son ordinateur et les documents de la Lucha. Il a planté son regard dans le sien et lui a dit « Par loin, ma prunelle, je ne supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose. » Le rideau en feu lui est tombé dessus, puis la maison. Avec la disparition de Luc, la Lucha compte son premier martyr. Un martyr qui remportera une victoire posthume. Quelques semaines après la mort de Luc, Kabila promet d'organiser des élections. Il ne se représentera pas.